Ok. Aujourd'hui, on va se faire un petit Black Ops 2 et plus précisément un mode zombie en survie. C'est celui auquel je jouais tout le temps avec mon pote Gary, d'ailleurs, qui sera sûrement ce soir à la maison pour boire l'apéro. Donc, au moment où je vous parle, je suis sûrement à l'apéro. Serre-moi un whisky, Gary, s'il te plaît. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, un petit like ou si vous avez pas kiffé, un petit dislike. Ça marche dans les deux sens. Allez, c'est parti! Écoutez cette musique et fermez vos gueules. C'est magnifique, hein? Ok, c'est parti! Alors, je vais expliquer, je vais faire comme si vous connaissez pas le jeu, hein, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais joué au mode zombie sur BO2. Donc voilà, en gros, il y a des zombies qui vont arriver, hein? Voilà. Ce qu'il faut faire, il faut faire attention à la lave, parce qu'en fait, il y en a un peu partout, regardez. Ça, en fait, il faut sauter à chaque fois par-dessus, parce qu'en fait, ça peut vraiment nous niquer. On peut crever, mais vraiment pour de la merde. Genre, par exemple, vous vous faites taper par un zombie. Et genre, vous êtes pas bien, vous êtes presque tout rouge. Vous marchez sur la lave, genre vous pouvez tomber quoi. Vous pouvez crever pour ça quoi. C'est ça, franchement, ça fait chier. Donc faut faire gaffe que quand on est tout rouge, bien sauter par-dessus. Ou alors éviter justement de passer par là. Ensuite, à chaque fois qu'on tire une balle sur un zombie, on gagne 10$ en gros. En gros, tu gagnes un peu plus de 100$ quand tu butes un zombie. Moi ce que je fais, c'est que je tire genre deux fois sur le zombie et ensuite je lui mets un cut pour avoir genre 10 plus 10 plus après les 100$ quoi en gros. Si je tue direct, j'aurai que 130, alors que si je tire deux fois dedans, j'aurai 150 du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les zombies en feu par contre, ils nous explosent à la gueule comme vous avez pu le voir, donc c'est ça qui est un peu chiant. Il faut être assez loin d'eux. C'est tout con hein, comme mode, hein. Franchement c'est tout simple. Il faut juste survivre le plus longtemps possible. Ok, je rétablis ça, ça me donne des thunes. Et en plus ça permet aux zombies de pas m'attaquer tout de suite. Au début ça va, c'est pas le plus chiant. Mais vers la manche 10 ça commence à se corser. Et t'es bien content que ça ralentisse les zombies quoi. Voilà, je me suis un peu enfermé. Là ça va, c'est les premières manches. Mais après va falloir faire gaffe quoi. Faut pas que je fasse ce que je fais là quoi. Là je suis à 2160, ce que je vais faire c'est ça. Là il y a la boîte mystère là, on va pouvoir s'acheter une arme. Je crois que c'est 950, ouais c'est 950. Bon, l'arme que tout le monde veut c'est le pistolet laser hein. Et bah là j'ai eu de la merde. Machine de guerre. Ouais non c'est de la merde, on va changer ça. À la limite le RPG ça va, c'est le... Oh putain, ah je croyais que je l'avais. Ah j'étais presque à l'avoir, le petit pistolet laser. Ah le pompe là, ouais si c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Et je garde le petit flingue pour pouvoir l'améliorer après. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait il est vraiment trop stylé le petit flingue, une fois amélioré c'est stylé. Ok donc là on est à la manche 3. Ah un petit munition max. Ah, je me garde les couilles en attendant, je suis désolé. Hop là. Et une fois que j'aurai un peu d'argent, alors attends, je sais plus, c'est combien, c'est 750 je crois pour ouvrir la porte ici. Ouais vas-y, je peux l'ouvrir tout de suite. Hein. Et après en fait il y a le mastodonte que je peux prendre, je crois que c'est 2500 ou un truc comme ça. Et en gros ça va me permettre d'être plus résistant. C'est comme les Call of d'aujourd'hui hein, en fait. Je fais vraiment exprès de tout expliquer pour ceux qui connaissent pas trop les modes zombies. On est à la manche 4 et vraiment ça commence à chauffer vers la manche genre 10 quoi. Vous allez voir au bout d'un moment ils seront nombreux mais genre de ouf. Hein. Ah, le petit charpentier, ça c'est pas mal. Charpentier, du coup, ça rétablit tous les trucs là qui pètent. Et ça me donne un peu d'argent. Putain, je kiffais trop ce mode là. Putain, on était tout le temps dessus avec Gary, c'est incroyable. On regardait aussi des vidéos sur YouTube et tout pour voir les records et tout de manches et tout. Il y a des mecs qui étaient solo, ils étaient à la manche 100 et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi le record en solo. Et là, quand vous voyez le dernier zombie comme ça qui court vraiment vite, c'est que c'est le dernier. Ok, là, on est à la manche 5. Petit à petit, ça va commencer à être compliqué. Il me faut vraiment, par contre, les 2500 pour que je puisse avoir le mastodonte. Enfin, de toute façon, au début, c'est un peu galère à avoir les thunes. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de zombies à tuer que limite, tu sais plus quoi faire de tes thunes après, quoi. T'as tellement de thunes, t'as tellement fait de kills. Ah, le petit... la boum, là, je sais pas quoi. Là. Ah, le petit double point, là. Ah ça c'est pas mal ça. Oh j'ai tous les trucs d'un coup. Wow. J'ai failli crever là. Ah oh, c'était chaud là. Ok j'ai 3680. Je vais pouvoir prendre le mastodonte. Vite. Ah j'ai plus de balles, je suis obligé de prendre ça. Vas-y je vais prendre ça. Le petit MP5 là. Ok je vais rester dans le coin là pour l'instant.
Ah mais oui, j'ai barre instantanée. Donc là, on est à la manche 6. Faut essayer de tirer dans la tête. Oh, c'était risqué ce que j'ai fait là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un petit tas de zombies. Genre comme ça. Là, tu shootes. Ok, 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 j'ai plus de balles. Putain. Ça part trop vite les balles. La MP5, elle est trop bien comme arme, mais les balles, laisse tomber. Ok, manche 7. Pour l'instant, ça se passe bien. Putain, j'ai pris munitions max. Il y a quoi? Il y a 10 secondes, tu sais. J'ai déjà presque plus de balles, quoi. C'est incroyable. Le chargeur est trop petit. Je suis obligé de racheter et tout. Je vais essayer de garder un zombie pour éviter de passer à la manche suivante. Et comme ça, je vais pouvoir améliorer mes armes. Ah, ok, j'ai mis un rampant, nickel. En gros, il faut balancer une grenade. Et regardez, maintenant, ils peuvent plus bouger. Genre, ils peuvent presque plus marcher. Et lui, c'est le dernier, je pense. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mes petits guns. Vous allez voir, ils sont trop stylés. Ça, c'est vénère. Par contre, il n'y a pas énormément de balles, mais c'est stylé. Je vais essayer de me préparer tranquille à la manche, à la prochaine manche. Eh, en vrai, je me tâte à prendre une autre arme. Et maintenant, il faut que je tombe sur une bonne arme, en fait. J'ai pas trop le choix. Allez, vas-y, donne pas de la merde, parce que sinon, je pleure. Ah ouais, ah, c'est cool. Bon bah écoute, on va passer à la manche suivante. Hein. Et vous allez voir, les deux petits guns ils sont stylés en vrai. Ok, c'est parti, manche 8. Bah tu sais quoi, ah, bah tiens quoi, je vais prendre ça. Tiens. Ah bah j'aurais assez de thunes en plus pour m'acheter. Je vais pas me prendre la tête, hein. Bah ouais, je vais faire ça. Hein. Hop, je vais me l'acheter là. Hop, allez. Regardez, on voit qu'il y a de plus en plus de zombies. Et regardez ça, mon arme là, elle est ouf. Elle est trop stylée cette arme. Oh putain, je suis déjà à la manche 9 là. Et après, je vais m'acheter aussi des atouts, genre pour recharger plus vite mes armes et tout. Il y a double coup aussi. Genre, t'as une plus grosse cadence de tir. Hop. Ah, je vais essayer de me faire un petit tas de zombies là. Allez, venez là. Waouh! Ah, je t'avais pas vu toi. J'ai fait ça. Ok, vas-y. On est à la manche 10. Et ça, genre ça, ce que je fais là, c'est pas malin non plus. Je m'enferme un peu avec eux là. Et faut faire gaffe avec le petit flingue parce qu'en fait, ça te met des dégâts. Ça te met vraiment des dégâts quand tu tires près de toi en fait. Logique en même temps, ça explose. Hein. Mais c'est ça aussi, pareil, ça peut nous tuer. Pareil, le pistolet laser aussi, je me suis fait baiser plusieurs fois. Où, en fait, il te met des dégâts le truc. Je me rappelle plus du tout quoi. C'est peut-être 1000 et quelques, non? 750. Ah bah vas-y. Comme ça au moins je vais pouvoir bouger un peu plus. Parce que là je suis trop confiné là à cet endroit là. On est toujours confiné, t'inquiète. Ok, bon allez, vas-y. Manche 12. Putain, je prends des risques, mais laisse tomber. C'est chaud. J'ai plus de balles, ils veulent pas me donner un munition max là, putain. Les grenades, toujours. Moi j'en colle toujours des grenades pour faire les rampants, comme je vous expliquais. Pour pouvoir. Merde, j'appuie sur le mauvais, mais putain, qu'est-ce que je suis con. Bah voilà, au moins vous voyez ce que c'est, regardez. Et ça va leur péter la gueule. Ok, je vais pouvoir après améliorer. Mon pompe là qui est pas si mal déjà, quand il est pas amélioré il est pas mal. Donc franchement je pense que ça peut faire un truc propre. Ok bah vas-y go améliorer mon arme. Ok. C'est parti pour la manche 21 du coup. Ah ouais. Allez je prends ça. Hop. Ça ira plus vite. Crevez tous. Putain, et la recharge rapide aussi c'est grave pratique. Ça c'est le truc, laisse tomber. Double coup c'est pareil, c'est pas mal. Et quand vous jouez à deux, vous avez un atout qui est juste à ma gauche là, que je vous montrerai après. Je fais le tug, c'est ici. Hop. Et c'est un atout pour réanimer votre pote plus vite. Donc pareil, c'est hyper pratique. Hein. Le pompe il est bien, mais du coup j'ai plus de balles. Et j'ai pas de possibilité de le reprendre, de reprendre des balles. Fusil Olympia. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait. Ah ça c'est des grenades Semtex, vas-y je les prends. J'aurais pas dû échanger d'armes, enfin, tu me diras j'ai plus de balles donc.
Je vais rien pouvoir faire avec cette arme là. Mange 22. Et je vais être dans la merde, je le sens là. J'aime trop comment il recharge trop vite le mec. Mais là il y avait pas une arme là, non? Waouh, on se calme. Elle s'est fait éclater, elle. Je suis con. Je refais la même erreur, je balance mon singe comme un gros guignol. Putain, et collez-moi un munition max aussi de temps en temps, parce que là je galère, les gars. Ok, bon, allez, c'est parti pour la manche 23. Et ça pue. Ça pue de ouf. J'ai plus de grenades. J'ai plus rien. Oh! Putain, c'est maintenant que tu me donnes ça! Mais j'en avais besoin tout à l'heure! Bon, ce qui est cool avec munitions max, c'est que du coup, j'ai récupéré des grenades. J'ai récupéré. Enfin, j'ai des grenades, mais du coup, c'est des Semtex maintenant, parce que j'en ai racheté. J'en ai acheté des Semtex. Et j'ai récupéré mes singes aussi. Balles, c'est cool. J'ai fait de la merde. Oh, ok, je vais pas prendre de risques. Vas-y, ils vont exploser là. Ça commence à revenir petit à petit là. J'essaie de faire ce que je faisais avant. Mais au bout d'un moment, laisse tomber. Il y en a tellement. C'est une grosse galère. Putain, je suis déjà à la manche 24. Et je suis bien, j'ai tous mes atouts, tous les atouts qu'il faut. Mes armes sont améliorées. J'ai des singes qui peuvent être grave pratiques en cas de. En cas de merde. Oh, je suis dégoûté de ouf. Bon, c'est pour aujourd'hui. Bon, je suis un peu dégoûté parce que manche 24, c'est pas ouf non plus. J'ai fait de la merde. En vrai, c'est très chaud comme mode. J'essaierai un jour de faire ce mode-là avec Gary, comme à l'ancienne, et là, on ira plus loin à deux. Donc, j'espère que vous avez quand même kiffé, même si je suis mauvais. Et je vous dis à la prochaine, ciao.